Autispoc est un diplôme universitaire délivré par l'Université de Bordeaux. C'est une formation entièrement digitalisée, donc entièrement en e-learning, qui est sous la forme d'un SPOC, qui est limité à des sessions d'étudiants d'une cinquantaine de personnes. Elle se déroule sur 6 mois. L'objectif de cette formation est de proposer les messages clés à un bon accompagnement des personnes avec autisme pour tous les professionnels de l'accompagnement, allant du secteur éducatif au secteur infirmier ou au secteur de l'accompagnement comme les assistantes maternelles, etc. Cette formation se déroule donc sur 6 mois, comprend 13 modules et est constituée de formats très courts de vidéos avec une multitude de ressources qui sont associées pour soutenir la compréhension de la théorisation autour de la pratique. Ce projet a permis de toucher un public en formation continue qui n'avait pas accès à des formations diplômantes universitaires, puisque c'était des accompagnateurs qui avaient de l'expérience dans l'accompagnement, mais ce n'étaient pas des professionnels en formation initiale. Ça a permis, par exemple, pour la session 2019, de diplômer 70 étudiants qui ont tous passé leur diplôme, qui ont tous validé leur diplôme et qui ont tous pu aussi faire valoriser une reconnaissance de leur réactualisation des pratiques auprès de leur employeur. Ça a permis de développer et de soutenir les nouvelles pratiques d'accompagnement sur le territoire français, puisque c'est un diplôme qui est ouvert sur l'ensemble national, et donc du coup de promouvoir une amélioration de l'accompagnement et des prises en charge dans l'autisme. Le temps de bien concevoir en ingénierie de formation le découpage pédagogique d'une formation qui doit être de qualité, qui doit être pratique, qui doit répondre à leurs interrogations et à leur réalité dans le quotidien. C'est un très bon accompagnement par une agence de digital learning, puisque ce n'est pas notre métier, même nous universitaires. C'est la possibilité de pouvoir solliciter les tutelles et les institutions qui nous entourent pour financer des parcours de formation qui ne peuvent pas être portés par les universités seules. C'est aussi l'investissement des personnes et des usagers, des familles qui nous ont accompagnés pendant ce parcours et qui nous ont permis de bien faire valoir leurs besoins.